esta expresión, cuando eso es así, vos cocinas las dos. Cocinas las dos. Cocinas las dos. Porque se puede, bon, lorsque tu Seigneur fait grâce a ce que la famille accomplit l'évangile, c'est une grâce pour nous les frères de ne pas payer. Mais quand par exemple la famille de la sœur n'est pas convertie, tu les amènes à comprendre selon la parole que toi tu n'iras pas dans ces choses, ils insistent, Bon, la sœur aussi peut se décourager. Bon, qu'est-ce que, dans ce cas, quelle est la conduite à tenir? C'est ce que moi je voulais. Matthieu 10, Matthieu 28. Tu peux lire le verset 19. Vous l'entendez pas? Il y a des places ici devant. Allez donc, je fais de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom de Jésus-Christ. Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples. Des gens autres que les juifs, les goïms. Et c'est des gens qui n'ont pas reçu la révélation du vrai Dieu. Et nous, chrétiens, nous sommes porteurs de la lumière qui est censée éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans l'animisme, qui sont dans les coutumes et traditions démoniaques, charnelles. Et malheureusement, ces chrétiens sont la lumière du monde. C'est écrit, le sel de la terre. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, apporter la saveur aux familles, notamment qu'ils rencontrent, aux nations, parce que là, c'est des tribus, ethnos, c'est des tribus, petits groupes, grands groupes, donc c'est des petits des peuples, des tribus, des ethnies. Et oui, tu arrives dans une famille, tu. Pour épouser une femme, on te dit, il faut payer la dot. Tu leur dis, non, je suis gentiment, sagement, je suis chrétien. Et moi, mon Dieu est contre cette pratique. Depuis la croix, notamment. Eh bien, si la famille refuse, peut vous rester en prière. Par la prière, avec la parole que tu peux leur apporter, tu peux faire de cette famille des disciples. Le Seigneur n'a pas dit que ça allait être facile. Nous sommes des transformateurs. Des gens qui sont appelés à transformer avec la parole que nous avons reçue, des nations en disciples. Il a des faits transformés. Tu prends de l'or brut avec l'or brut, vous savez que c'est défaut, eh bien, tu le transformes. C'est ça notre mission. Et nous avons, en venant ici à Abidjan, j'ai rencontré un frère à l'aéroport, Jean de Gaulle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et une semaine avant notre voyage, l'esprit me faisait penser pourquoi à lui. Et là, je le rencontre. Je dis, ben tiens, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va, tout ça, pas de problème, on continue à faire des enseignements. Mais ma fiancée et moi, on a quand même eu beaucoup de problèmes parce que sa famille voulait à tout prix la dot. Et nous, on leur a dit que on n'était plus convaincus parce que le Seigneur nous a fait comprendre que c'était la chair, c'était n'importe quoi, c'était acheter les femmes, c'est vendre les femmes, et tout ça. Mais quand même, c'était dur, frère, je me dis. C'était dur. Hein. Vraiment, je me disais même, est-ce que ton enseignement là, vient du Seigneur ou pas là? C'était dit. J'arrive. Voilà.
Je lui dis, alors, c'est biblique ou quoi, là, dit. Il dit, oui, c'est bien, alors, ça a marché ou pas? Oui, ça a marché parce que le grand-père a dit, le grand-père de ma femme a dit à ses enfants, quand c'est aux parents de ma femme, bah, écoutez, il faut arrêter parce que bon, bah, nous sommes d'une autre génération, et eux, c'est la nouvelle génération, bah, on ne va pas leur imposer nos traditions. C'est le grand-père qui a tranché. Vous vous rendez compte? Donc, je lui dis, tu vois, par ta persévérance, tu as réussi à apporter le changement de mentalité. Ce n'est pas la repentance, changement de mentalité, d'opinion. C'est ça. C'est possible. C'est possible. Parce que la dot, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce que nous aimons le Seigneur? La dot, on l'a payée quand une femme était violée. C'est ça la dot. Quand elle était violée, c'est tout. Et vous savez, comme on a fait l'enseignement là-dessus, celui qui est le premier à utiliser le mot dot, c'est un cananéen. C'est-à-dire quelqu'un qui a adoré plusieurs divinités. C'est Hamor, le père de Sichem. Et Sichem, son fils, avait violé Dina, la fille de Jacob. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller épouser une femme en disant je veux la doter, c'est-à-dire je veux l'acheter. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas une marchandise. Oui, ma soeur. On considère la dot comme un rassemblement entre deux familles. Pour l'Ivoirien, s'il n'y a pas de dot, c'est que les deux familles ne se connaissent pas. Il n'y aura pas. En cas de problème, toi tu restes sur tes problèmes. C'est pourquoi tu es le banni de la famille. Parce que nos grands-parents, on fait la dot. Je ne veux pas se laisser avec une petite femme comme ça, ça allait se marier. Non. Non, c'est pas, on va voir les familles, on discute. Ben, pour qu'il y ait discussion, il faut qu'il y ait la rencontre des deux familles. D'accord. Voilà. Donc, c'est pendant cette rencontre-là qu'il faut partager. Il faut discuter. Voilà. Exposer l'évangile sagement, en disant voilà ce que nous avons compris, nous sommes chrétiens. Voilà. Et puis la fille doit faire aussi un travail auprès de ses parents. Un travail de longue haleine. Ce n'est pas toujours la même chose, on va balancer la chose. C'est d'abord la fille qui va voir ses parents pour ses mamans. Comme vous savez, comme tu sais, papa sait, je suis chrétienne. Et voilà ce que Dieu me dit. Les parents, c'est sûr, vont s'y opposer, pas toujours, mais globalement. Et ben, il faut du temps pour la prière, pour être abouti, les cœurs vont être touchés. C'est possible. C'est possible. On a, moi à Paris, je vois des jeunes qui viennent me voir, des frères et ceux qui ont des problèmes de mariage, qui me disent, quand le message est arrivé, ça nous a choqués, mais on a eu le temps de poser la chose à nos parents. Il y a des parents qui étaient réfractaires et qui ont fini par céder parce que, voilà, c'est un travail que l'on a l'intérêt, dans la prière, dans la discussion. Bien sûr. On n'achète pas une femme. La femme n'est pas un objet. Avant, mais pas une marchandise. Nos traditions humaines veulent vous faire de vous des marchandises. Et c'est pas correct. Tu comprends, ma soeur? C'est pour cela que quand une femme est achetée, dotée, si elle est stérile, l'homme va aller voir ailleurs. Et parfois, moi je sais, dans la centrale, certaines femmes stériles dotées, qui sont bien sûr dotées, bien sûr, et les maris vont jusqu'à mettre la pression sur la famille, les familles des femmes. Leur ordonnant de trouver une solution pour qu'elles deviennent fertiles. C'est un problème. Le 15 novembre, okay. Il y a un pasteur qui vient épouser sa femme. Il vient C'est ta fille? Non, c'est ma belle-sœur. C'est le pasteur qui vient la doter. Ah ouais, maintenant tu connais la vérité, il faut réfléchir. Comment est-ce que mon mari ne va pas accepter? C'est la petite à son nom. Ah ben il faut parler à ton mari. Je ne vais pas accepter. Non, tu vois. C'est un bonheur. Non, attends, deux secondes. Tu vois le problème? Là, tu n'as pas foi en Dieu.
Voilà. Tu vois comment nous blessons Dieu. Et on ne se rend même pas compte. En fait, le message sur la dot et le message sur la dîme notamment, ce message-là, révèle notre incrédulité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme si tu disais, d'ailleurs tu l'as dit, mais pas consciemment, Dieu, tu n'es pas capable de convaincre mon mari. Parce que je le connais mieux que toi. Comment? Non. Est-ce que toi tu as connu Dieu avant? Est-ce que tu es né avec Dieu? Tu ne t'es pas converti un jour? Tu n'as jamais eu un petit copain? Donc tu ne connaissais pas Dieu avant. Tu t'es bien converti un jour. Et ton mari peut se convertir aussi comme toi. Voilà. Vous voyez, mes amis, je vais doucement, mais je vais vous montrer que je vais vous montrer à quel point beaucoup de chrétiens sont incrédules. Comment? Le pasteur? Oui. Oui. Est-ce que l'homme de Dieu est la parole de Dieu? L'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme. Et il n'a pas la science infuse. Voilà. Ça bouscule, hein? Mais ça, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez suivre Dieu pleinement ou vous voulez garder les traditions d'homme. La dot était une tradition chez les Cananéens que les Hébreux ont adoptée parce qu'ils ont adopté certaines pratiques que les Cananéens observaient. Et tu n'as jamais lu le passage où il est dit que la dot doit être payée quand tu es violé. On va le lire. Est-ce que tu peux nous lire, ma soeur, Deutéronome chapitre 22? Verset 13. Et à partir du verset 13. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il l'a haï. Et voici, il lui inflige des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle, disant, je n'ai point trouvé ta fille hier. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront. Et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur Israël, ils le condamneront à une amende de 100 sicles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle sera sa femme et il ne pourra pas la réfugier sans qu'il sera. Continue. Mais si la chose est vraie, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, alors ils ont sorti la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Les hommes de sa ville la lapideront de pierre et un bourras, car elle a commis une infamie en Israël, en se constituant dans la maison de son père. Tu auras le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme ayant un mari qui l'a épousé, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, donnera ainsi le mal d'Israël.
Ok. On va prendre un autre passage. Dans Genèse 35. Et donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors les fils de Jacob répondirent avec Ruth, à Sichar et à Hamor, son père. Il parlait ainsi parce que Sichar avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme ainsi conçu, car ce serait un opprobre pour nous. Mais nous nous consentirons à ce que vous demandez, que si vous deveniez semblable à vous, en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Alors, nous vous donnerons nos filles et nous prendrons vos filles pour nous, et nous habiterons avec vous, et nous ne serons qu'un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter, et vous circoncire, nous prendrons nos filles et nous nous en irons. Leur discours plut à Hamor, à Sichar, fils d'Hamor. Le jeune homme ne tarda point à faire ce qu'on lui avait proposé, car la fille de Jacob lui plaisait beaucoup, et il était le plus conceptuel de tous ceux de la maison de son père. Hamor et Sichar, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent aux gens de leur ville à leur dire : ces hommes sont perdus à notre égard. Ils habitent dans le pays et ils y pratiquent. Ok, on peut s'arrêter là. Dans le premier passage, on nous dit que le mariage ne peut être validé que ne peut être validé que si la femme est vierge. On est d'accord. Ok. Dans le deuxième passage, en Genèse, on nous dit ici que Dina va être violée, si on lit le contexte. Voilà. Donc, si la fille et Dina étaient violées, donc il fallait bien sûr la doter. Et le père de la jeune du monsieur qui a violé la fille de Jacob dira ben justement, je vais vous donner la dot, vous pouvez acheter littéralement. Voilà. Donc les femmes à l'époque n'étaient que des objets sexuels. Elles n'étaient là que pour faire des enfants. Voilà pourquoi celles qui étaient stériles, comme Rachel, ben, était bien sûr mise de côté, il fallait prendre une autre, comme Sarah. Comprendre ça, les femmes à l'époque, c'est que ça, la dot, c'est la femme, elle est vierge, elle est achetée pour faire des enfants. Donc quand les femmes achètent la dot, elles doivent comprendre qu'elles ne sont que, qu'elles sont considérées comme une poule fondeuse, c'est tout. C'est ça la dot. Et ensuite, dans Exode, chapitre 22, à partir du verset 16, tu peux le lire, ma soeur. On n'a pas le micro, on va donner le micro. Si un homme se tue une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent. La valeur de la dot des vierges. Il ne laissera pas vivre la sorcière. Ok. Voilà. C'est ça en fait la dot. Donc c'est la dot des vierges. Elle était liée à la virginité. Une femme qui perdait sa virginité, ben, l'homme qui l'avait prise devait lâcher cette femme. C'est comme, je veux dire, d'ailleurs, pour une truc, hein. Tu vas dans un magasin, tu trouves. Une marchandise emballée, hein? Une boîte de conserve, de sardines, tu l'ouvres. C'est ça la dot. La boîte fermée, c'est la virginité. Tu l'ouvres, tu déverges la fille, tu consommes. Et ensuite, tu ne peux pas sortir du magasin comme ça. Tu dois payer à la caisse.
pour partir avec la boîte. C'est ça, la dot. Et maintenant, si tu estimes que tu n'en veux plus de cette boîte, parce que dedans, les fruits ne sont pas bons, eh ben, tu écris une lettre de répudiation, tu dis, moi, je te renvoie. C'est ça. Et c'est ce que vous voulez, tous les femmes. Donc, quand vous dites que, oui, nous sommes chrétiens, c'est écrit la dot dans la Bible, mais vous n'avez rien au contexte, il faut regarder ce qui est écrit ici. On n'applique pas ce qui est écrit. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez la dot, il faudrait accepter qu'on vous traite comme à l'époque. On vous prend, et que vous soyez vierge aussi, on couche avec vous, et après on se dit, bon, j'en veux plus. Ah non, mais il faut payer. Oh, mais je ne veux pas la prendre pour moi, mais tu payes quand même. Tu donnes le prix de, voilà, le prix de cet objet-là, de la boîte de la sardine, et si tu n'en veux pas, ben, nous gardons à la fois la boîte et l'argent. Et cette boîte-là, plus personne n'en voulait. Parce qu'elle n'était plus fermée. Voilà. Elle était condamnée à rester célibataire. C'est ce que vous voulez. Si vous voulez appliquer la dose, c'est ce qu'il faut appliquer. Il faut appliquer la loi correctement. Sinon, on va être hypocrite. On va être menteur. C'est le problème des chrétiens qui ne prennent pas position. Déjà, on était mal enseignés dans les églises. Et quand la vérité arrive, c'est vrai qu'on a du mal à se positionner parce qu'on se dit, waouh, Seigneur, mais c'est comment? Ben oui, mais Abraham a donné la dot, c'est écrit où? Il a donné des présents. Et ce n'était pas la famille de la femme qui avait utilisé ces présents-là. C'était de l'initiative personnelle d'Abraham. Et d'ailleurs, on nous dit que c'est elle-même, la femme, Rebecca, qui avait pris ces présents-là, avec son frère. On ne parle même pas de père. Voilà. On dit, mais oui, mais Jacob a payé la dot, c'est écrit où? Jacob a travaillé 14 ans pour ses deux premières femmes. Mais on n'a pas dit que c'était une dot. Non. Donc, et d'ailleurs, les filles de Jacob vont dire qu'elles ont été vendues par leur père. Et vous voulez vendre vos enfants que vous aimez? Vous avez une fille, vous estimez que cette fille ne vaut que 4 millions, honnêtement. C'est ça, être parent digne de ce nom. Vous estimez que vos enfants ne valent que 4 millions, que 10 millions, que 1 milliard? Non. La valeur d'une femme, voilà, ne se mesure pas au milliard, voilà, ne se limite pas à une feuille, à un papier, c'est pas ça. Pourquoi réduire la femme à ce niveau-là? Pourquoi? Le message sur la dot, ça devait au contraire vous révolutionner, vous ne pouvez pas vous encourager parce que c'est une délivrance.